Donc, comme je le disais, les trois familles sont là. C'est Ava, Anaël, Flo, Hugo et Ava. Ok. Donc, tout le monde est là. Nous allons commencer maintenant. Et puis, j'avais parlé de l'offrande aussi qu'on donne à l'église. Vous avez appris ça? Ok. Donc, vous donnez ça en même temps. Et puis, après la célébration, on est qui? On va nous. Voilà, je vous donne ça, c'est ce que nous allons suivre. Les réponses que vous allez me donner sont en rouge. Vous verrez que ça va bien se passer. Ça sera très facile. Vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est ce que nous allons suivre. Les réponses que vous allez me donner sont en rouge. Vous verrez que ça va bien se passer. Ça sera très facile. Vous n'allez même pas vous rendre compte que Donc, à présent, c'est la première partie de notre célébration que nous allons faire. Nous allons procéder maintenant au rite de l'accueil. Voilà. Et comme je le disais, les réponses que vous allez me donner sont en rouge. On est tous. On va nous porter l'eau. Voilà. Vous mettez derrière lui et puis on vous suit. Thank you.
avec nos enfants, nous allons maintenant rejoindre tous ceux qui nous attendent, les membres de nos familles et les amis qui sont venus assister à ce baptême. Le parrain, s'il vous plaît. Donc vous serez devant et on va vous suivre. La marraine qui porte l'eau, voilà. Vous mettez derrière lui et puis on vous suit. Nous avons commencé au fond de l'église par le rite de l'accueil. Et là, nous continuons cette célébration avec vous. On vous a rejoint. Je sais que beaucoup d'entre vous se posaient la question. Nous venons à mettre debout et puis je vais suivre la prière de l'église. Et on va continuer avec les gestes qui ont été choisis pour la circonstance. Prions le Seigneur. Dieu Père de tous les hommes, Père de tout ce qui existe, toi qui as créé l'homme à ton image, accueille avec amour Ava, Hugo et Anaël que leurs parents présentent aujourd'hui au baptême. Par ta parole, fortifie-les afin qu'ils trouvent la joie que tu veux donner à tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Venir là avec l'enfant. La famille qui peut passer
première position. Oui, Denise, c'est la première. Oui. Merci. Où est la marraine? C'est vous la marraine. Okay. Il faut prendre l'enfant. Parce que ici, c'est le parrain et la marraine qu'on connaît. Non, vous donnez l'enfant. Voilà. Et le parrain, vous venez là. Parce que ici. Pendant le baptême, vous posez votre main sur l'enfant. Papa et maman, vous venez là, s'il vous plaît. Papa et maman. Et puis, je vais vous donner un petit travail. Quand on va finir, vous essuyez. Anaël, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bravo, Anaël. Le prochain. Anaël. Anaël, bichoute. Pichoute. Anaël. Anaël. Psst, psst. Ah, tombez. Bah oui, non, mais t'as raison. On va attendre combien de temps comme ça? Je sais pas. Ça dépend pas de moi. Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les guident dans la connaissance et dans l'amour de Dieu, prions le Seigneur pour Hugo, Ava et Anaël. Seigneur, écoute-nous.
tous les baptisés, formant un seul corps dans le Christ, vivent dans une même foi et une même charité, prions le Seigneur. They're taking a leak, Mikey. Throw some. No, no. Thank you.
Non, non, mais trop tard, je ne filme que toi. Bibiche! Ça y est, t'es réveillée? J'ai été réveillée par mon voisin qui n'a rien trouvé mieux que d'apostropher la voisine qui est 4 mètres de l'homme plus loin en lui demandant Nicole! Nicole, est-ce qu'il te reste du vieux pain? Donc, t'es pas content de peu. Sans connard. Voilà, bon, bah, au moins c'est filmé, hein?